Hey, toi, je te jure, je te mets une, pas deux. Ah. Ouais, j'avais prévenu, hein. Oh putain, c'est des nichons. Pardon, Twitch. Ouais, ouais, y'en a, y'a du nichon, hein. Ah, y'a du nibar. Attention à ça, hein. Oh la vache. Quoi? Non, non, je parle pas de la dame nichon, je parle de... Oh la vache. Je parle du truc qui était planté. Tu veux que je la retourne? Attends, c'est pas celle-ci, c'est elle, là. Ah. Elle a des gougouttes à l'air. On va la retourner pour plus de décence sur Twitch. Merci. Parfait. Kevin, occupe-toi de tout ça. Nettoie 10 mètres, voilà. Ouais, faut qu'il nettoie tout ce bordel, là. Nettoyer tout ce qu'on a mis, là. Me dis pas qu'il va couper les arbres. Eh ben, Kevin. Oh, t'as vu, il est malin, il arrête de te taper. Tu vas pas attaquer ton maître? Ah! Salaud, tu m'as attaqué, je t'ai vu. Je t'ai vu. Oh, Kevin, si ça tombe sur moi. Oh, salaud. La branche dans la gueule. Kevin, enfoiré, à terre. Ah, des feuilles, c'est pas mal ça. À terre. Faut que t'arrêtes de le maltraiter, hein. T'as vu ce qu'il m'a fait? Kevin. Kevin, qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es un malade! Mais t'as tué une femme, Kevin! Mais Kevin! Mais regarde! Il a tué une femme! Il m'a montré un bully! Est-ce que tu savais que tu étais capable de faire craquer mes chevilles sur commande? Oui! Non, de sentir des goûts par l'odorat, ça s'appelle la rétro-olfaction. Ah oui, comme quand je rote et que j'ai le goût du chocolat dans la bouche car j'en ai mangé juste avant. Non, ça c'est juste que tu es un gros porc. Ok. Air Up, c'est une gourde qui te permet d'aromatiser l'eau grâce à l'odorat. J'ai choisi saveur noix de coco car c'est ce que mange Tom Hanks dans Seul au monde et je suis fan du film. Il y a différentes gourdes disponibles. Et ça lui donne la chiasse. Il y a différentes gourdes disponibles, plus de 27 saveurs différentes et les pods sont recyclables. Par contre, je sais pas du tout comment ça marche parce que quand je bois, c'est juste de l'eau. Je suis vraiment la reine des codes. Tu mets ton pod sur ta gourde, tu le tires vers le haut et ça devient super bon. C'est super bon. Ah bah oui, je sens bien la noix de coco maintenant. Tu peux même mettre de l'eau pétillante, ça marche encore mieux. Eh ben, ça marche avec tout, hein. Clique sur le lien dans la description pour découvrir Air Up. Et avec le code WANKILL, il y a 10% de réduction sur tout le site. Des munitions de 9 mm, on peut avoir des armes à feu. Ah bah voilà comment être tranquille. Hein, voilà comment être tranquille. Je vais te bouffer la jambe. Je vais te bouffer la jambe comme tout à l'heure. Je vais te bouffer la chatte. Je vais te bouffer la bite, tu vois. Je vais te bouffer les couilles. Je vais te boire ton sang. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul. Je vais te lécher la chatte. Et l'autre con qui arrive une demi-heure après tout. Eh, c'est une caisse de largage, ça. Ce gros truc carré, là. Oh. Où ça? C'est un caillou. Alors toi, t'aimes trop le loot, hein. Parce que j'ai pas mangé depuis longtemps, je commence à délirer. T'as tué quoi là? Mais t'es un malade, hein. Y'a Kevin qui est traumatisé par ce que t'es en train de faire. Quand t'auras faim, tu me remercieras. Merci Lefèvre Anthony qui a offert des subs. Merci Lefèvre Anthony. J'avais une prof qui s'appelait Madame Lefèvre. C'était une vraie connasse. C'est ta mère? Ah, tout est allé trop vite. Pardon. J'ai eu le temps de l'arrêter. Il est au commissariat. J'ai pas eu le temps de l'arrêter. Il a commencé, il est parti très vite. Oh, regarde ici. Là, en contrebas, à tous les coups, chantier, machin, c'est une grotte ici. Ah bah oui, c'est ça. Alors ça, c'est un outil pour les chefs de chantier pour mesurer. C'est rien. Ah ouais, les géomètres. Comment c'est ça lui? Parce que t'as un appartement que tu dis ça? Ouais, bah j'ai fait appel à un géomètre. Non, c'est juste que des fois dans la rue, des fois il y a des géomètres. C'est pas parce que c'est dans la rue que tu sais comment ça s'appelle. Tu sais que tu vas faire chier les ouvriers, tu leur dis excusez-moi, il s'appelle comment votre outil? C'est quoi votre métier en fait? Tu peux changer la light de ton inventaire. Comment ça? Ouvre ton inventaire et appuie sur les petits boutons. Waouh. Oh. Oh. C'est trop. Il y a du RGB. Alors ça? Pas du tout inutile. Non. Oh, regarde un élan. Il est beau, hein. Tu veux le tuer? Non. Je sais à quoi je peux m'attaquer et à quoi je peux pas m'attaquer. Ça, c'est du 500 kilos dans la gueule. Oh, de. Il fait deux fois ta taille. Mais si qu'il pourrait être tué pour être court. Il est bête. Oh. Ouah. Tout. Oh. Gros stuff. Yes. Et là je mets des billets. Y'a pas de lendemain. Allez. Tu veux une canette? Ouais, je veux bien. Tiens. Merci. Il est épicier le gars. Tu vas Fanta. Putain, je vois rien. Il y a des bruits de ronronnement. Ouais, il y a des bruits bizarres, hein. Il y a des bruits très étranges quand même, hein. Il y a des gens. Ah, des êtres de l'ombre. Attends, mais il y en a un qui est juste en... Oui. Cours. Je sais pas où. Attends, on va devant ou pas? On va derrière. Soit on fait demi-tour, soit on fonce devant. On va de l'avant, toujours. Il y a une pagaie qui est coincée dans de la gelée. Putain, c'est encore soit des néos qu'on fait de la merde. Eh, bon moment, ça. Ah, il y a vraiment des trucs là. C'est quoi ça? C'est une. Oh. C'est une radio qui est coincée dans de la gelée. Je suis mort, faut que tu me relèves. Je vais mourir. Ah, il y a des bébés. La dernière chose que j'ai vue, c'est des bébés.
La tronçonneuse, tu as raté la tronçonneuse. Ouais, mais si vous le dites tous en même temps, ça n'a aucun sens. Vous êtes nuls en blague. Imagine, on nous dit ça à nous. C'est tout avec ça. On vous fait des blagues en blague. En blague. Mais j'ai envie de dormir. Hein. Mais dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie là. Moi, j'ai fait une sieste avant de faire le live parce que je suis quelqu'un de responsable et de vieux. T'as atteint l'âge où streamer jusqu'à minuit, ça devient super dur. T'as atteint l'âge où faire un marathon de 24 heures, pour toi, c'est impossible. 100%. Hein. Marathon de 24 heures qu'on aille se faire foutre. Tu te rends compte qu'on a atteint l'âge où on peut pas faire de sabbaton parce qu'on est trop vieux et que ça existait pas à notre époque. Merde. On peut pas s'en mettre plein les fouilles. Je vois l'océan. Oh. Et je vois le un truc. Une tente, on dirait. Tu sais, comme un radeau de survie. Pour moi, c'est une bouée gonflable avec une tente dessus. Eh, hey, regarde, attends. C'est quoi cette histoire? Ah. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Ah ouais, non, ça c'est trop. Ah, c'est immonde. C'est dégoûtant d'avoir fait ça. Ah, mais il y a une tête à l'intérieur du corps. C'est barbare. C'est le seul truc qui vient à l'esprit. On y va à la nage? Ouais. Impossible, si on a de l'endurance, on va crever. Oh, j'ai de l'endurance. Ah non, ça va, j'ai de l'endurance que si je maintiens shift. Oh, y'a un requin! J'ai vu un requin sauter! C'était pas un dauphin, hein! Vas-y, vas-y, on y va quand même! Bah, de toute façon, je peux pas faire demi-tour, c'est trop tard! Vas-y, vas-y, check! Y'a des mouettes qui sont posées dans l'eau, on dirait qu'il y a des cadavres parce que pourquoi elles sont là? Comment on monte? Fais espace, essaye! Ça marche pas, espace! J'ai pris un log. Ah! Attends! c'est ça, c'est de l'autre côté! Je suis en train de grimper! Bah, ça va, y'a pas à être aussi lent, hein! J'ai un pistolet. Mais t'es où toi? Ah, j'ai vu le requin. T'es un bâtard, t'as fait demi-tour parce qu'il y avait le requin, t'es un chien. Eh oh, c'est là, tu vois? Putain, donc je dois te rejoindre, je suis sûr que pour le karma, le requin il va me bouffer. J'espère. Bon bah j'arrive. Je suis mort. C'est pas vrai. Putain, il m'a croqué. Non. Oh mais t'as vraiment un karma de merde. Non, c'est abusé. Aide-moi. Aide-moi, mais t'es dans l'eau. Ah ouais, aide-moi. Je te vois pas, t'as même pas d'icône sur... Ah, t'es au fond de l'eau. Attends, non, je veux quand même pas t'aider là. J'y vais, mais t'es dans l'eau là. Pour un pote. Je plonge dans l'eau. Je vois rien, c'était trop profond, je crois. J'ai même pas l'impression d'avancer. Si, t'inquiète, je suis juste là. Je vais mourir. T'inquiète. Je vais mourir, je sais pas t'inquiète. Où je suis. Non. T'es presque. Je suis mort. Putain, va te faire foutre. Ça se trouve, ça vaut même pas le coup le pistolet. Va te tirer une fois pour voir si ça marche. Est-ce que je peux tirer dans la tête à Kevin? Yes, je peux? Ok. Non! Ça marche! Quoi, ça marche? T'as fait quoi, Kelvin? Bah, disons que le pistolet marche. Il me manque juste un élément et je peux faire du C4. Pour aller essayer avec Kevin? Je peux faire une bombe à retardement, techniquement. Oh putain! C'est très grave ce que je suis en train de faire. Je vais être fiché S, hein. J'ai fait une bombe à retardement. Ah, pas non? Regarde! Oh là, range ça! C'est fait avec plein d'ustensiles. T'es un malade! J'en fais une deuxième. Bon, ne reproduisez pas ça chez vous, hein. Regarde! Quoi? T'as vu? Quoi? J'ai fait un sentier, je peux le refaire hein. T'es juste content parce que t'as mis 4 cailloux par terre? J'ai un nouveau test pour Kevin, regarde. Ah merde, attends, je recommence, j'ai oublié un détail. Kevin! Tu vas où Kevin? Ah le nul avec Kevin! il jette des petits cailloux, hey, oh Kevin le nul! Hey Kevin! T'as de la chance que je sais pas tirer. Ça va, c'est une blague. On rigole, hein. Ouais, ça va. Et on descend. Bon, je vais te faire descendre, moi, tu vas voir. T'as changé d'arbre? Ouais, t'es sûr. T'as vu, il tient pas grand chose, l'arbre, hein. Ah, c'est un genre de... Regarde, tape un coup. Si je tape un coup. C'est toi, je crois. Non, c'est toi. T'as fait tomber. Non, c'est toi qui l'a... Oh, c'est de la bonne bûchette, ça. Et là, on fait un mur. Oh, mais tu nous fais chier. Mais putain, j'essaie de construire, j'essaie d'être créatif. Ah, t'es où? Bah, je suis mort. Définitivement? Bah, on dirait. Ça m'a juste dit, bah, t'es baisé, quoi. Bon. Je me demande s'il y a un lien entre le fait que j'ai donné un énorme coup de vache dans sa gueule et le fait que t'étais quand même vachement dans l'axe. Ah, ça expliquerait que ça s'est vraiment pas passé comme toutes mes autres morts, qu'il y a eu un truc un peu bizarre. Peut-être, mais vu qu'on est sûr de rien, vaut mieux pas raconter n'importe quoi. Oh, la dame a trois jambes! Oh, elle est majestueuse! Elle est belle, t'as un genre de centaure. Elle est trop belle. Oh, elle a trois bras aussi. Oh là, elle a peur de nous. Non, attends. T'inquiète. Mais reviens. Waouh, reviens là. Attends, je suis pas, elle mettra un coup. Elle court vite, elle court plus vite qu'un homme normal. Attends, parce que. Elle a trois jambes. Elle a trois pas. C'est plus de la triche. C'est bon là. C'est bon, je vais rien faire. Je veux juste voir combien t'as de bras. Oh, c'est bon là. Attends, là elle est motivée. Des sauts qu'elle fait. Bon bah tant pis. Hein. Oh, c'est mort. Hein. Ah, des pièces. C'est important les pièces si tu veux faire des bombes artisanales. Malin, vous le saviez vous qu'avec vos pièces de monnaie vous pouviez faire une bombe. Trois de vidéos sur la chaîne principale sur comment faire une bombe artisanale chez vous. Avec des pièces de 2€. Aïe aïe aïe, regarde-moi ça. Oh! Faut pas me le dire deux fois, on va encore se faire défoncer. Oh, c'est un bunker. Et bunker égale loot. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je m'en fous, je prends tout. Oh! Les cartouches d'imprimante! Me dis pas que c'est une imprimante 3D qu'on va faire des trucs. Oh, vas-y, mets dedans! Tu fabriques quoi? Je sais pas. Des flèches! Tu fais des flèches! Tu peux sélectionner ce qu'on veut? Attends. Oui! Oh, regarde! Tu peux mettre plein d'objets différents! Ah, le traîneau! Oh! Wow, il est grand! On peut rentrer à deux ou pas? Faites deux traîneaux. On peut pas monter à deux dans le traîneau?
Oh, faut remettre du. Alors, on a plein des cartouches d'encre, non? Ah merde, j'en ai plus. De l'encre un traîneau, hein. Mais j'en ai plus. Ah, ça en prend. Mais c'est le traîneau, ça en prend énormément. Ah putain. Et voilà, on est sorti de là avec un traîneau, mais on a toujours pas de pelle ou de. Oh, oh. Un élan. Un élan, on essaie de se faire à l'arc. J'ai l'impression que je sais pas tirer avec l'arc. Je l'ai tué en une shoot, je l'ai eu direct. On va se faire un petit repas. Ah merde, non, c'est en train de bouffer. Non, mais récolte au lieu de manger tout. Il s'est régalé directement. Mais arrête, il mange ce con. Pourquoi il récolte pas? Attends, je peux mettre la viande aussi. Tiens, des bras, ça coûte pas grand chose. Ah oui, tiens. Bon, je bouffe le bras. Hein. Rotten bras. Ah, je l'ai bouffé moi, fallait pas. Je sais pas, je me suis dit rotten, j'évite, j'essaye un truc. Wouhou. C'était vraiment la descente la moins rapide de l'histoire. Non, je le refais. Ok, attention, accrochez vos ceintures, ça va être extrême. Eh bah, pas mal hein. Y a un truc hein. Pas mal quand même. Super. À toi. Ah mais c'est vraiment pas extrême hein. Ok, c'est parti. Extrême. Waouh. Ah c'était un ouais, peu tu vas pas loin. Hein. Oh bah là ça descend là. Eh oh, extrême. Oh. Oh. Ouais. Extrême aussi. Ah les arbres. Ouais. Aïe 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 aïe. Oh merde, j'ai pris un arbre. Oh putain, il va descendre à tout à l'heure. Ah c'est non, vraiment. Il y a eu un vieux caillou. Oh, ça flotte. J'ai trouvé le meilleur ride ever. Alors attends. Il est incroyable. Attends, remonte un peu, tu vas voir. Théma. Ça va pas vite du tout. Ah, celui-là tu peux. Non mais celui-là tu peux l'éviter. Il a 50 vie. Oh, c'est vraiment extrême. J'ai rien dit, c'est extrême. Après tu peux peut-être continuer un peu en drift. Ah là, j'ai perdu de l'extrême là. Wouah, et là. Ah, putain, ça ah, normalement, c'est un voyage à l'hôpital. Vu le choc que t'as eu. Ah, j'ai rebondi. Tu prends pas ta lampe torche. J'économise mes piles. Excuse-nous, Hitler. Pardon. Bon, du coup, là, on doit mettre une traçante. Hein. Bon, fais gaffe, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des ennuis. Faut qu'on les tue. Hein. Il y en a bien qui va être plus fort que les autres. Ok, ah, c'est vrai. Troisième dernière fois. Ah, attends, ouvre leur corps. Je pense que c'est une loot box. Attention, il en reste une femme, elle a des seins. Ah, arrêtez. Arrière. Je suis en rêve Twitch. J'ai encore une femme. Retournez-vous. Oh, j'aime pas quand c'est large comme ça. C'est très large, je vais à droite. Étonnant ça. Culotté. Pour un mec qui m'a dit je voterai jamais Mélenchon, ce fils de pute. Oh, c'est quoi recycleur comme ça? Recycleur d'air. Ah, et on a une bouteille d'oxygène. On va pouvoir faire fondre. Alors, waouh. Eh, c'est zinzin. Quelle ambiance. Eh non, franchement. Faut avoir de l'espoir, hein. Faut se dire qu'il y aura de l'oxygène à l'autre bout parce que sinon t'es dans la merde. Hein. J'ai l'impression qu'on est dans la mer. Oh non. C'est ça. Oh non, c'est à chier. C'était une sortie de grotte. Je suis dégoûté. Non. La climatique. Oh putain, eh, y a une huître partie. Hein. Tu veux là, en bord de mer, y a des huîtres partout. Ça m'intéresse de ouf. En vrai. Et la meuf, elle sert à quelque chose dans le jeu ou c'est un. Tu donnes le flingue à la meuf, elle te protège. Est-ce que je dois vous croire? Elle a quand même trois jambes. Hein. T'as confiance en une meuf qui a trois jambes? Honnêtement, non. Ouais, pour ça. We'll be right back.